le bronze, ça a 3000 ans. Comment est-ce qu'ils ont trouvé les premiers pour faire du bronze? Mélanger de l'étain avec du cuivre pour arriver à faire du bronze. Mais comment c'est venu? Souvent, je me pose la question. Mais comment est-ce qu'ils ont eu l'idée, les premiers, quoi? Le feu transforme. Du moment qu'il est passé quelque part, tout est transformé, quoi. C'est quand même beau quand il y a les flammèches qui montent, la fusion, la coulée. C'est beau. C'est des choses qui me... Ouais, c'est ça qui m'attire, je pense, le feu en premier. Je sais pas si c'est un trou de coulée ou bien pas, quoi. Ouf. De l'autre côté, elle a un monstre de coulée. Ah non, des dieux de merde. Chier. Bon, bah du coup, voilà, une cage loupée. Je sais pas. Mmh. Mmh. Ça m'énerve tellement que je la refais derrière. Depuis tout petit, on traîne dans un milieu quand même agricole. Mes grands-parents avaient un domaine agricole, beaucoup de cloches, beaucoup de vaches. Et du coup, moi, j'ai toujours aimé ça, quoi. Après, je pensais pas petit faire un fondeur. Mais l'idée de la ferraille, du son, ça m'a toujours un petit peu trotté dans la tête. Et du moment que j'ai eu l'occasion, bah, j'ai essayé, quoi. Et ça m'a tout de suite plu. Eh ben, celle-là, elle a réussi. La persévérance paye. Plus petit, j'ai loupé toutes les cloches de mon grand-père quand elles ont été vendues. Je n'ai pas su qu'il les avait vendues, tout est parti. Donc, c'est une perte de mon patrimoine familial que j'ai peut-être pas réussi à encaisser à l'époque. Et du coup, ben, je me suis dit, non, mais il faut que je retrouve ces pièces, enfin une bonne partie. La folie. Pour moi, c'est de la folie. Toutes mes thunes passent dans les cloches, j'entends... Je sors pas. Moi, les seules thunes que j'ai, c'est pour les mettre dans ma collection. J'adore ça. Le son qui dure me fait quelque chose. Et même quand j'ai l'impression que quand on n'entend plus, je l'entends encore. Et on approche la main de la cloche, on n'entend plus le son, mais on sent encore la vibration. Ça, j'adore. Même si on a l'impression que c'est fini, on met la joue tout près de la cloche, on ressent encore que ça vibre. Ah, c'est un truc qui... Plus ça dure, plus c'est beau. Maintenant, j'arrive à me retenir d'acheter une cloche. Bon, c'est difficile. Je m'abstiens de manger des fois pour Parce que, ouais, je me dis, j'économise là, tac, 50, tac. Ouais, fin de la semaine, je peux, ouais, allez. Ouais, je préfère sauter quelques courses et puis, elle me dit, ouais, comme ça, je l'ai déjà. Ou alors, discuter avec la personne, mettre une avance, quitte à la payer en plusieurs fois. C'est une maladie. J'aimerais bien qu'on me sèvre de ça. C'est un peu difficile à estimer combien j'en ai, mais je dois approcher entre 4 et 500 pièces. C'est une grande folie, quoi. Oui, ah, je suis conscient. De toute façon, ça ne vendrait pas, quoi. Faut oublier. Ou alors je suis à la retraite et puis j'ai plus un rond et puis je veux pas aller au social. Là, il est sûr que je lâcherai certainement quelques pièces, mais que je serai à la retraite. Et puis là, c'est encore de loin pour le cas. Mon but ici, c'est d'arriver quand même à faire un petit musée pour pouvoir montrer aux gens ce que c'est que le patrimoine, comment c'était fait, avec quoi, quel outil, tout genre de choses. J'ai vraiment des vieux objets. Puis ouais, c'est la collection, c'est pas pour ça, quoi. Ou alors c'est vraiment qu'on est un grand malade, quoi. Et moi, je sais que je suis malade, mais je suis pas un grand malade quand même. Donc j'aimerais que les gens puissent savoir, quoi. Maintenant, ça va arriver l'automne, je vais recommencer les entretiens de propriété. J'ai quand même un statut d'indépendant là-dedans. Les besoins font vivre, donc on est obligé d'accepter quand même pour gagner quelques sous. Des travaux qu'on sait qui seront un peu plus pénibles. J'ai un peu de peine à tenir en place. Mais j'aime bien aussi être tranquille, mais je fais toujours quelque chose. J'entends le travail de la fonderie, c'est méticuleux, précis. Et physiquement, être tout le temps debout, derrière un établi, statique, il faut oublier, quoi. Moi, il faut que je bouge, quoi. Il faut que je me déplace, que je me plie, je me relève. Sinon, le soir, la machine, elle est cassée et je peux plus bouger, quoi. Je sais que si je ferais ça tous les jours, je m'en lasserais. Ça me tuerait l'envie, je pense, quoi. Les cannes, c'est pas mon travail, c'est après mon travail, c'est un plaisir. J'ai eu le malheur d'en vendre une fois dans une exposition. Je la regrette encore. Mais ça me plaît, quoi. Moi, j'aime ça, j'aime ce que je fais. Après, même elles sont tassées dans un coin. Elles sont là, donc non, je les vends pas, quoi. Après, c'est très difficile de me faire quelque chose que j'ai pas envie. Ça, je reconnais que j'ai un peu une tronche de cochon. Il s'appelait André. C'était un super ami. Et lui est décédé. Sa femme m'a offert le Bouddha de la fonderie. Et chaque fois que je coule, au fait, je pense à lui. Il m'a appris des choses, puis il mérite d'être là, quoi. Je le garde en souvenir, comme ça. Yes. Disons qu'ici, la façon de travailler, c'est pas industriel. C'est tout du petit matos, c'est pas du professionnel. Ouais, je suis certainement un peu marginal, quoi. Il y a qu'à voir de la façon où je travaille, dans ma cuisine, mon atelier. Tout est fait un peu à l'emporte-pièce, mais ça fonctionne. Quand on veut faire quelque chose, on peut y arriver avec des petits moyens aussi. Les boucles pour les courroies, en fait, étaient fabriquées avant en Suisse, dans une fonderie suisse-allemande. Et puis tout d'un coup, vu qu'il y a eu la Chine qui est arrivée avec ses importations et tout ça, ça s'est arrêté, quoi. Parce qu'en fait, les gens n'étaient plus d'accord de payer le travail, qui voulaient la même chose, mais pour rien. Alors du coup, le monsieur, il avait arrêté. Et je crois qu'actuellement, je ne veux pas garantir la chose, mais je dois être le seul à faire des boucles en Suisse. Après, ça me plaît parce que c'est justement, c'est ça, c'est original. Je suis le seul. Puis c'est ça qui me range. Là, c'est très difficile d'en vivre parce que je ne suis pas quelqu'un de connu. J'ai un peu de peine à me mettre en avant dans les foires ou les choses comme ça. Moi, aller vers les gens pour dire « ouais, moi je fais ça », j'arrive pas, quoi. Alors que non, j'en vis pas, quoi. Maintenant, j'accepte plus facilement de vendre. Ça me fait plaisir que t'en me dis « ouais, elle me plaît ». J'accepte plus volontiers le compliment, je suis un peu moins gêné. Puis ouais, je vends. Le silence m'oppresse. Je pourrais pas rester dans le silence, méditer. Bouddha peut-être, moi pas. Il me faut... Ding, 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 ding. Je suis vraiment chenillant, comme on dit. Je fais pas beaucoup de ménage, peu de cuisine si j'ai personne avec moi. Donc on peut dire que je suis un peu solitaire, beaucoup. C'est pour ça que j'ai un peu de peine à aller vers les gens dans les foires, j'en combine. Ça me coûte peut-être, mais on est tellement bien seul. Donc je suis marginal. Je sais pas si on peut dire ça, peut-être, je sais pas. Mais solitaire, oui. Ouais. C'est vrai, c'est la liberté, quoi. Quand on aime, on compte pas, quoi. Elle m'a coûté cher, mais ça reste une passion, quoi. Ça reste la liberté, quoi.